Très bien. Motenabino, Balandignon, sur Abosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Bonjour chez vous, messieurs et dames. Encore une fois, merci pour la confiance et la fidélité. Obozolo Mbate na Ropesa na Bosolo Télévision, Bosolo na Politique comme programme à une audience très populaire. Boza et Bélé, Bosolo na Biso, Bozali na Bumbu, na Selimba, ou na 24 communes et à capitale. Tobosali te batbaza na Mbandaka, Bosolo na Biso na Lissala, na Bumba, Topesi Binombote, Bandeko Mbujima, et Bandeko ya Goma, Bosolo na Biso na Goma, na Birere, na Pesi Binombote. Bato bazana Bukavu mbote na bino bande konyoso bana sud Kivu na Bukavu topesi bino mbote bozana Uvira également bozolanda bosolo mbote na bino bisika bozwami. J'espère que vous passez des moments excellents autour de l'actualité politique autour de Kolobela. Lelo l'après-midi, l'émission a été décalée de 2 heures pour des raisons techniques, mais nous voici messieurs et dames pour un échange important au Binonio Sobozela, qui est présidence de la République, Congo-Brazzaville. Vous suivez cette émission, même au Rwanda, on vous dit bonjour. Allez, nous sommes en direct. On va prendre l'actualité politique avant de recevoir monsieur l'honorable Justin Bitakwira, ministre honoraire des relations avec les parlements. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout à l'heure. Serrez vos ceintures. Alors, n'oubliez pas de réagir à travers les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. Affaire kidnapping, des enquêteurs auraient confisqué 16 millions de francs congolais. Des iPhones aux kidnappeurs révèlent un détenu. Procès enlèvement. La prévenue Eliane accuse la police d'avoir publié ses vidéos intimes contenues dans son téléphone. Bloc de l'opposition, Katumbi Sesanga et Matata adresse un mémo sans associé Fayoulou. Processus électoral. Denis Kadima face à Joseph Kabila. RDC, République sud-africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, déjà à Kinshasa. Kinshasa, toujours trafic d'organes humains, ce sont des rumeurs qui procèdent à une œuvre de manipulation, une communication de Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Assemblée provinciale de Kinshasa, 48 heures accordée à Godempoi pour présenter ses moyens de défense. Godempoi, qui avait aussi adressé un courrier au commissaire à l'Assemblée provinciale, au bureau de l'Assemblée provinciale, disant qu'il a été mis dans un congé par son médecin, Azo Bengango, congé, un repos intellectuel. Voilà, l'expression me revient. Toutes mes excuses. À Bengango, repos intellectuel pour la première fois. Et au salapé débat na Congo ou à Batwazo, le rabat est vocabulaire et à repos intellectuel, les à la base juridique, nini. Donc, ça fait débat. Mais il a 48 heures au moins, ce qu'il faudra retenir. Élection à vie démocratique du Congo, la CENI rassure l'Union européenne sur le respect du calendrier électoral. Kidnapping à Kinshasa, la police dispose un numéro vert pour signaler tous les cas suspects. Coopération, la RDC et la RCA vont signer plusieurs protocoles d'accord au terme des forums économiques RDC, République sud-africaine 2023, Kinshasa pour boucler la note. Bemba accuse l'agression rwandaise de freiner les développements de la RDC et de perturber plusieurs projets arrêtés par le gouvernement congolais. Monsieur Justin Bitakwira, allez, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango Israël Mutombo. Content de vous recevoir encore aujourd'hui, hein. Depuis la dernière fois, je pense, jour pour jour, on a presque 6 mois ou une année, je ne sais pas. Je crois bientôt 8 mois. Bientôt 8 mois, depuis parce votre dernier passage. C'était au mois de décembre. Mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Hein. Moi aussi. Hein. Voilà. Et ma vocation aussi, c'était d'être prêtre. Ouais. Comme je vous vois en soutane, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous regrettez de ne pas continuer? Non, je ne le regrette pas parce que chacun de nous a un destin. Mmh. Voilà. J'assume le mien. Vous assumez le vôtre. Est-ce que vous avez là au moment où on est en train de parler, ce que vous avez vu à qui prêtre, les souhaits que vous aviez auparavant, qu'est-ce qui vous motivait pour devenir prêtre? Même dans l'ambition, c'était quoi? Je crois que mon déclic est parti de cette vocation de prêtre. Mmh. Parce que
vous aurez l'occasion de visiter mon village. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un village aussi caché comme celui-là peut mettre au monde le Bitakwira dont on parle aujourd'hui. Donc, après ma sixième année primaire, on a fait un concours de toutes les écoles catholiques. Moi aussi, comme tous les élèves, je suis allé passer l'école, les concours. C'était en 74. Et au mois d'août, je suis au champ avec ma mère. On vient nous apprendre qu'il y a un blanc accompagné de deux noirs qui seraient chez nous à la maison. Et nous, on habitait une case. Et quand nous sommes arrivés avec ma mère, comme nous avions toujours fréquenté la même classe avec mon défunt grand frère, le prêtre dit qu'il est venu chercher Bitakwira. Pourquoi ? Il ouvre son calepin pour dire que Bitakwira est passé le premier de toutes les écoles catholiques du diocèse d'Uvira. Et on l'a choisi pour aller étudier au petit séminaire de Mungombe. C'est au sud Kivu, dans le Mwenga. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et il a laissé le papier d'état de besoin. Vous savez, au village, on se brosse avec le makala. Maintenant, sur le papier, l'état de besoin du prêtre, je devais m'habiller comme un blanc. Pantoufles, chaussettes, sous-vêtements, culottes, pantalons, cinglés, brosse à dents, dentifrice. Et les parents étaient obligés d'en acheter. Le lendemain, je suis allé au petit séminaire pour aller étudier. Tout mon avenir part de là. Donc, vous voyez que je ne peux pas le regretter. Que le destin venait me tirer de... comment je peux appeler ça? Le destin venait me tirer du néant. Mais vous n'avez pas capitalisé cette opportunité qui vous a été offerte par le destin. Il fallait continuer. Aujourd'hui, peut-être vous serez collègue d'Ambongo, de Mosengo, d'heureuse mémoire. Non, je suis arrivé jusqu'au noviciat. Et un prêtre m'a importuné. Et je crois, depuis le bas âge, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas, du genre colérique, non. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas le mépris. Vous n'avez jamais été esclave d'opinion? Non, non. J'avais décidé de plier tous mes bagages le même jour. Et j'ai pris une autre orientation. Malgré cela, vous êtes resté catholique? Non pratiquant. Catholique pratiquant? Non pratiquant. Non pratiquant. Finalement, vous n'êtes pas fixe par rapport à la confession religieuse. Tantôt vous êtes catholique, non pratiquant. Des fois, vous étiez avec Mukuna, que vous avez quitté la dernière fois parce que vous avez dit vous-même que c'était pour une histoire d'argent, on demandait trop d'argent à l'église, c'est ce que vous avez... Non, là, c'était un geste politique que je suis allé poser. Ça n'avait rien à voir avec la spiritualité. Ça n'avait rien à voir. Avec la spiritualité. Alors aujourd'hui, on vous situe, vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes kimbanguiste, vous êtes... Non, je suis toujours catholique, non pratiquant. Cela veut dire quoi? Catholique, non pratiquant, cela veut dire... J'ai fait les œuvres de charité. J'aide les enfants vulnérables. Parce que la foi sans les œuvres, elle n'est rien non plus. Mais si vous essayez de vous informer sur moi, vous verrez que je suis même plus catholique que ceux qui pratiquent. Vous croyez en Dieu? Au Créateur. Dieu créateur, c'est ça? Non, au Créateur. Il y a une différence entre Créateur et Dieu? Oui, dans mon patois, il y a un nom qui ne signifie seulement que Créateur. Lequel? Oumoubumbi. Cela veut dire c'est lui qui crée. C'est lui qui crée. Oui. Il n'a pas un nom. Chaque patois a une appellation de Dieu. Exactement. Maintenant, les dieux dont vous parlez ici, c'est pour les Français. Mais il y a un dieu de Mwamfuliru. Il y a un dieu du Mouchi, il y a un dieu de Bakongo, il y a un dieu de Baluba, il y a un dieu des Indiens. On n'a pas un seul dieu? Chaque patois a un dieu. À une appellation ou à un dieu? J'ai dit,
je préfère créateur, parce que le terme créateur me convient dans mon patois. Si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez passer votre éternité? Je suis déjà mort pendant 3 secondes. Je n'avais rien vu. Vous ne savez pas là où vous serez après votre mort? Non, je dis, je suis mort pendant 3 secondes, mais je n'ai rien vu. Là où vous étiez en train de partir? Non, je n'ai rien vu, c'était seulement le noir, noir. Vous avez perdu connaissance ou vous êtes mort? En tout cas, j'ai fait un accident, c'est en 2013, un accident de circulation dans mes montagnes. Là, j'ai fait 8 tonneaux. Comme c'est moi-même qui était au volant, mais j'avais attaché la ceinture. Mon policier, bien formé, au premier tonneau, lui, il a sauté. Et moi, je suis allé au fond, fond, fond. Maintenant, la voiture suspendue et moi-même suspendu. Maintenant, le moment que le policier atteigne là où moi je suis allé m'arrêter, tous les véhicules coincés complètement, délabrés. Le policier finalement est venu pour récupérer le cadavre. C'est comme ça qu'il va détacher la ceinture. En me détachant la ceinture, comme moi je ne savais plus je suis où, je dis je suis mort pendant quelques secondes. Je n'ai rien vu. Maintenant, quand il prend le cadavre, il veut mettre à l'épaule, lui savait que réellement je suis mort. Et personne ne veut s'imaginer qu'avec tel accident, tu peux t'en sortir. Quand il a détaché la ceinture, il veut porter le cadavre sur son épaule. J'ouvre les yeux, je vois que c'est mon policier, j'ignore. Je lui dis, j'ignore, il a connu. Et papa, Ozoloba. On est où? On allait à Katala, mais on a fait l'accident. C'est à quel niveau? Non, je ne connais pas le village. Je lui dis, attends un peu. Il a attendu. J'ai fait mon mouvement. Je me rends compte que mon mouvement est normal. Et c'est comme ça que je suis descendu de moi-même. Il a commencé à applaudir. Nzambe Azualukum. Grâce à Nzambe, le créateur. Je dis créateur. Je ne renie pas les autres appellations. Parce que je te dis qu'en Chine, les Chinois n'appellent pas le créateur Dieu. Très bien. Ouais. Là même, la grand-mère ne pouvait rien faire. Hein? La grand-mère? Non, les gens ont pensé que j'étais un sorcier. Parce que je n'ai même mis aucune gratinure. C'est de la grâce. Tout le monde a crié. C'est de la grâce de Dieu. Du créateur. La grâce du accompagné créateur. De la grand-mère. Allez, nous sommes en direct, messieurs et dames. Ça commence déjà. Comment la grand-mère? Elle va bien, hein? Elle va bien, elle va bien. On a parlé avec elle ce matin. Ok. Elle a maintenant combien? 5 et 6 ans. 5 et 6 ans? Oui. 5 et 6. 5 et 6 ans. Elle mange, elle a son téléphone. Non, quelqu'un garde son téléphone. Quand j'appelle, on lui amène. Mais là, elle ne les voit plus. Non, elle voit un peu. Parce que quand je viens, elle me reconnaît. Même s'il y a beaucoup de bruit, on sait que c'est Bitakura qui vient d'arriver. Mais elle me voit, elle me connaît. Mais vous savez qu'elle peut partir à n'importe quel moment. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mois de mars. Ouais, elle était forte. Hein? Elle marchait. Mais sa mère aussi a vécu plus de 120 ans. Okay. 120 ans. Faut avoir déjà biloko avant. Pour ceux qui ont accueilli à tous dans la Kinshasa, aussi déjà biloko nyos. Ah, peut-être n'a joué en goka. Allez, nous sommes en direct. On va parler de l'actualité politique. On est à Guimoua Toilettage pour nous permettre de faire l'entrée avec beaucoup de considération. Messieurs et dames, Justin Bitakwira, ministre honoraire des Relations avec le Parlement. Et Développement Rural. Et Développement Rural est notre invité ce matin. La dernière fois que je vous ai reçu ici, Ozagi comme un joueur qui est à la recherche d'une équipe de football. Parce que vous n'étiez pas trop clair. Si vous appartenez à un camp politique, les Alaki, je parle en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, je suis chef coutumier. Mais nous dire si vous êtes de l'opposition ou vous êtes dans l'Union sacrée, vous n'êtes pas prononcé sur cette question lors de la dernière émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous êtes dans l'opposition ou vous êtes de l'Union sacrée? Je n'ai jamais fait de la politique de l'autruche. Et je ne fais rien en cache-cache, politiquement parlant. Non seulement je mûrissais, j'observais. C'est avec fracas que j'ai quitté l'FCC pour des raisons évidentes. Et l'FCC lui-même, là où il est, il sait que non. Nous avons péché contre Bitakwira. Ils savent, ceux qui me suivent le savent. Les FCC. Oui. Et que
j'avais des raisons de partir. Vous n'avez pas été considéré au FCC? Pas considéré. Moi, j'ai rang de général. Ou peut-être vous avez été mal compris. Non, j'ai rang de général en politique. Mais il y a des majors qui pensaient qu'ils étaient plus gradés que moi. J'ai dit bien des majors. Vous voulez parler de cacique, en politique, même des lieutenants. Vous voulez parler de cacique du PPRD, FCC? Bon, ça c'est déjà passé, ça appartient à l'histoire. Mais je dois dire que j'ai adhéré solennellement et officiellement à l'Union Sacrée. Ah, ben là, vous êtes de l'Union Sacrée. Oui, okay. Et je suis à un regroupement qu'on appelle Force Politique et Sociale, allié à l'UDPS, FPAU. Mais je resterai toujours critique. Je resterai toujours critique. Mais vous avez un camp politique. J'ai un Qu'est-ce qui vous motive, après observation, après introspection, après avoir mûri votre pensée, tout ce que vous avez dit ici, qu'est-ce qui vous motive finalement pour adhérer dans l'Union Sacrée? Non, moi je suis un des alliés les plus visibles du président Tshisekedi. Je dois vous le dire. Ce que j'ai fait avec lui, je ne l'ai pas fait avec le président Kabila pendant 18 ans ou 14 ans, je ne l'ai pas fait. Je suis aussi comme un conseiller du président de la République. Quand j'ai à émettre un avis, je le lui fais, sans problème. Je t'avais dit qu'il y a un proverbe chez moi qui dit qu'on ne peut pas aimer les plumes du corbeau et détester sa chair. Est-ce que tu me comprends? Si, je comprends. Oui, parce que beaucoup de Bantous ne savent pas le sens du proverbe. Et en disant ça, c'est comme si j'ai clôturé le débat sur cette question. Si, mais c'est à l'intention de l'opinion. Il faudra expliciter pour permettre à tout le monde de comprendre. Non, tout le monde comprend quand j'ai dit qu'on n'aime pas les plumes du corbeau et détester sa chair. Donc, quand tu aimes la veste de Bitakuya, il faut d'abord aimer la personne. Si vous aimez la rose, il faut supporter ses épines. Oui. Heureusement. Tu es aussi un Bantou, peut-être tu vas fréquenter un peu le village, parce que ceux qui sont nés en ville sont à moitié Bantou. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire avec Kabila et que vous êtes en train de faire avec Tshisekedi? Je suis curieux. Non. D'abord, sous Tshisekedi, je n'ai aucune fonction. Mais j'ai de la considération. Ça, je dois vous le dire. J'ai de la considération. Du président de la République? Oui, oui. J'ai beaucoup de considération. Et de sa famille politique aussi? Ah, certainement, certains peuvent ne pas me supporter, mais quand même, je suis incontournable dans la phase actuelle de l'histoire de notre pays. Est-ce que Bitakuira est un problème politique ou Bitakuira est la solution politique? Moi, je suis une solution politique. Parce qu'il y a des secrets que je détiens sur l'avenir de ce pays dont personne n'a jamais entendu parler. Donc, je suis une solution politique. Si vous êtes une solution politique d'issue avec Kabila, je pense qu'avec cette expertise, toutes ces connaissances que vous avez, le secret, on aurait dû résoudre certains problèmes et déranger population plusieurs années. Pourquoi il y a eu des problèmes qui sont restés non résolus, malgré la bonne foi de l'ancien président de la République, de sa famille politique? Oyo Manego fait partir à l'époque, mais le problème n'a jamais été résolu. Je parle d'insécurité, on va arriver avec beaucoup de détails. Le problème social aussi. Vous savez, on peut avoir des solutions à condition de se faire entendre par les deux oreilles. Parce que si quelqu'un t'écoute avec une oreille, c'est que déjà il se méfie de toi. Et ça sort sans entrer. J'ai donné plusieurs fois des conseils. Que dans les négociations politiques sur la guerre de l'Est, quand on va recruter ceux de délégation qui n'y ont jamais été, c'est déjà fragiliser la délégation. Alors, de tous ces temps ici, dans le Kabila, ça peut être même maintenant, nous sommes en train d'observer qu'on part dans certaines discussions pour aller résoudre les problèmes de l'Est et il n'y a personne de l'Est dans la délégation. On va parler de cette question de l'Est. Tu comprends? Et c'est pour cela que je vous ai invité. On va parler, on va rester là-bas. Oui. Mais avant cela, tout le monde a épuisé matière côté à processus électoral qu'on a fait. Mais c'est parce que c'est toi qui m'as amené dans le. Si, si, on dans a la amené. Demande déjà partie à quel, brèche, à quel a... clan politique. Non, mais là, on a une affaire à un membre de l'Union Sacrée, ouais. Proche du président de la République, qui joue aussi un rôle du conseiller, du chef de l'État, bien que vous n'êtes pas nommé. Ça, on a déjà une idée.
Nous savons comment est-ce que nous allons aborder certaines questions importantes tout à l'heure. Mais restons d'abord avec vos ambitions politiques, échéances électorales, les OIA. Ah ouais, le 20 décembre, sauf imprévu, il y aura élection. Vos ambitions politiques. Mes ambitions politiques, bon, je les exprimerai lors de la campagne électorale. Très bien. Oui, oui. Ce serait prématuré, à ma qualité d'opérateur politique de Seron, de commencer à les étaler maintenant. C'est mais vous-même, prématuré. Vous êtes quand même candidat. Oui, certainement, je serai candidat. Et c'est après, après l'élection que je vais exprimer mes ambitions politiques, ou alors pendant la campagne. Alors, comment vous analysez les différentes positions des uns des autres, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir? Parlons d'abord de l'opposition. Dans un passé récent ici, on a tous vu le bloc de l'opposition. Bamandi ba marche na bango, reporté à maintes reprises, finalement, différentes marches autorisées. Nous avons vu la marche du 20 acceptée, mais ba pe itinéraire moussoussou, toqué na meeting. Il y a Sainte-Thérèse, reporté, finalement, le meeting a été accordé, baqué de l'autre côté. On va parler de plusieurs choses dans cette histoire, mais restons d'abord avec la position de Fayoulou. Monsieur Fayoulou se retire du processus momentanément. Il dit, je ne peux pas déposer ma candidature Nabisson, nous ne pouvons pas rester dans le processus. Il pose des préalables. Le fichier n'est pas crédible, il faut l'audit externe, Bazo Lukapé, bureau spécialisé étranger, ça n'accepte pas. Ils sont reçus par Kadima. Katumbi n'était pas physiquement, mais remplacé ou de, représenté par son secrétaire général. Bakutani Basolo Lina Kadima. Mouzit aussi reçu de ce Nani à son tour. Chacun donne son point de vue. On a deux points de vue. Katumbi pense que peu importe la forme, il faut qu'on aille aux élections. Fayoulou dit on ne peut pas aller aux élections, ce qui fichait va auditer en côté. Mouzitou dit le processus électoral, eu égard des éléments qu'il a obtenus auprès des Kadima, ils ont aspiré confiance dès que nous puissions avoir les élections au mois de décembre. Et le pouvoir tient à ce qui est les élections en 2023. Bitakwira, le sage du pays. Bitakwira, la voie par laquelle la solution yamboka ekoki kobima. Quelle est votre lecture par rapport à la position des uns des autres? Qu'on reporte les élections? Qu'on fasse les élections? Qu'on résout le problème de la crédibilité? Tout ce problème évoqué par l'opposition? Qu'est-ce que vous analysez? Ou comment analysez-vous cette situation? En dehors de Katumbi, que je n'ai jamais rencontré, je l'ai déjà vu, mais pas rencontré. Vous l'avez vu où? En 2006, il était à l'Assemblée nationale. Ah, ok. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Tous les autres acteurs, je les connais. Et la plupart, on se voit. Mouzitou, c'est Sanga Fayoulou. C'est Sanga, c'est un grand ami à moi. Okay. Je commence par le point de vue de Fayoulou. Fayoulou, c'est un ami que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Nous avons échangé. Je sais ce qu'il a comme sentiment sur le processus. Et personne ne l'ignore. Qu'il a dans sa peau comme c'est lui le président élu. Et que le président Tshisekedi, c'est un président nommé par Kabila. Et dans la vie, on peut avoir une chance, mais ce n'est pas le destin. Or, le destin va au-delà de la chance. Je me rappelle quand j'ai rencontré le président Tshisekedi la première fois, ce n'est pas un secret d'État, non. Parce que je le connaissais avant qu'il ne soit président de la République. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le président de la République, dans la vie, quand le destin de quelqu'un sonne, il peut passer par la fenêtre, il peut passer par la porte, et il se retrouve au salon. Peu importe la voie. Peu importe la voie, c'est le destin de chacun, de nous.
Et là, Fayoulou va me, j'espère qu'il va me comprendre attentivement. La chance, le destin va au-delà de la chance. Alors, j'ai dit au président de la République, le destin de quelqu'un peut passer par la fenêtre, comme il peut passer par la porte. Il faut savoir quoi en faire. Dès que vous l'avez. Savoir quoi en faire. C'est l'essentiel. Celui qui pose la question, comment vous êtes arrivé ici, c'est mon destin. Maintenant, il faut savoir le gérer, le destin-là. Donc, ce que Dieu est dans son destin. Et personne ne peut lui enlever là pour l'instant. Parce que la signature de Dieu va au-delà de nous tous. La pensée de Dieu va au-delà de nous, êtres humains. Alors maintenant, pour mon ami Fayoulou, que j'aime bien, il doit mettre de l'eau dans son vin. Pour effectivement dire aussi à la majorité présidentielle, à la CENI, que ce pays nous appartient à tous. Ça ne appartient pas à un bloc, ça nous appartient à tous. Dieu nous l'a donné pour que nous nous arrangions à nous entendre en cas de problème. Donc le bloc de l'opposition doit être entendu. S'il n'y a aucun moindre consensus dans ces élections, je crois qu'on aura encore reculé de 2 ou 3 ans en arrière. Mais s'il y a un moindre consensus, pour que la majorité ne dise pas qu'ils viennent ou pas, nous y allons. C'est pas bon. Donc chacun doit mettre de l'eau aussi dans son vin. Pour que la CENI essaye d'écouter tous les sons des cloches. Essayer de les examiner. S'il y a des réponses à donner, il faut les donner. S'il n'y a pas de réponses à donner, il faut donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Ça, c'est mon conseil que moi je donne. Mais si le chef de l'État me pose la question, je lui dirai que je veux aussi qu'il y ait élection dans le délai. Mais on ne va pas y aller sans moindre consensus. Sinon, je serai hypocrite. Ah, vous serez flatteur. Vous tenez à ce qu'il y ait élection le 20 décembre. Mais avec moins de consensus. Qu'est-ce que vous entendez par consensus? Qu'on n'aille pas. Expliquez, soyez explicite. Qu'est-ce que vous voulez dire par consensus? Moi, par exemple, si l'opposition n'a pas de membres, l'opposition réelle n'a pas de membres dans la CENI, nous aurons beaucoup des difficultés les 2 ans du deuxième mandat du président de la République. Il existe-t-il une opposition réelle et une opposition non réelle? Oui. On peut débaucher quelqu'un, il devient opposant. C'est comme si les quatre candidats, comme Katumbi lui qui va y aller, c'est comme si les quatre candidats aujourd'hui disaient que sans un moindre consensus, personne ne va déposer sa candidature. Le président Tshisekedi reste seul candidat. Il peut créer 3 autres opposants pour qu'eux déposent. Et ça devient démocratique. Et ça devient démocratique. Donc, il y a des revendications réelles de la part de l'opposition. Il faut les écouter. Les préalables de l'opposition. Ils ont des droits congolais aussi. Ils ont des droits comme congolais dans ce pays. Il faut les écouter. Mais justement, ils ont été reçus par Kadima pour discuter de cette question. Espérons. Ça, ce n'est pas Tshisekedi qui doit résoudre cette question. Non, ce n'est pas la question du président Tshisekedi. Mm. Mais Kadima doit faire rapport au président de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Mm. Et qu'il peut avoir une brèche. Il faut un moindre consensus, même à 20%. Même à 10%, il faut un moindre consensus. C'est-à-dire, vous voulez autour d'une table que Tshisekedi discute avec l'opposition ou que la CENI essaye de répondre favorablement à la moyenne. On suppose que le président Tshisekedi n'a jamais nommé quelqu'un comme membre de la CENI. Exactement. Ce sont les composantes qui ont envoyé les membres, que ce soit dans le bureau et que ce soit dans la plénière. Tu sais, il y a un animal dans la brousse, je ne sais pas comment encore je l'appelle, le pingouin. Mm. Le pingouin, c'est un animal du désert. Maintenant, quand on le poursuit, il est fatigué. Il enfouit son corps, il enfouit ses yeux dans le sable. Alors, il s'est dit, comme je ne le vois plus, eux aussi ne me voient plus. Alors, on vient le ramasser. Alors que ceux qui couraient derrière lui le voient.
Mais lui croit que comme moi, je ne les vois plus, et aussi ne me voient plus. Alors, il y a des problèmes qui demandent un consensus autour des élections et autour de la CENI. Si on peut résoudre même ce consensus à 20%, on aura à prendre du lait et y mettre un peu de sucre. Alors, ce que l'opposition exige aujourd'hui demande de l'argent, parce que revenir encore avec l'audit externe, il faudra des moyens. Mais en même temps, Kadima s'est plaint du fait que le ministère ou le gouvernement congolais n'a pas encore mis suffisamment de moyens à la hauteur des 5 millions de dollars qu'il attendait. Non. Il ne sait pas. Il a des difficultés sur le plan financier. Non. Nous ne sommes pas à nos premières élections. Nous sommes à nos ça sera maintenant les quatrième. Nous sommes à nos quatrièmes élections. Que le président Kadima aille demander des conseils à ses prédécesseurs. Parce qu'eux aussi ont eu presque les mêmes problèmes. Comment vous en aviez résolu? On va lui donner la recette. Mais ses prédécesseurs, vous voulez parler de Nanga, vous voulez parler de Ngoï Mulunda. Nanga dit il souhaite à ce qu'il n'y ait pas élection le 20 décembre 2023, qu'il y ait un report, il faut résoudre. Mais d'ailleurs, Nanga est allé encore plus loin. Il faudra que Kadima démissionne. Il ne fait pas confiance à cette CENI. Bon, autre toi que je m'y mette, c'est pas ça la pratique. C'est pas ça la pratique. La pratique va nous amener, j'insiste, à un minimum de consensus. Pour résoudre quoi? D'abord, tous ces acteurs ici, en dehors de Matata Mponyo, et peut-être ce sang. Ah, Matata n'est pas de l'opposition. Non, Matata fut premier ministre de Kabila, les autres, le président Tshisekedi, et Katumbi, et qui ça ici, Fayoulou, tous ces gens à Genval, non? Le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui vient de Genval. Comme humains, tous là, comme humains, ils savent que le président Tshisekedi, si nous disons que nous avons à lui parler, il ne va pas refuser. Ils viennent de la même école. Parce qu'aujourd'hui, nous avons maintenant trois écoles dans ce pays. Lequel? On avait l'impère, qui a disparu malheureusement. Et puis on avait l'UDPS. Maintenant, est-ce qu'il faut parler du PPRD? Le PPRD n'a pas encore été une école. Parce qu'après un an, deux ans, on ne les voit plus. Est-ce qu'on peut disparaître dans un an? On ne peut pas disparaître dans un an sur la scène politique, jamais. C'est que ce n'était pas une école. Il n'a formé personne. Le PPRD n'a jamais été une école politique. Et même, comment dans un an, tout le monde disparaît? Vous avez déjà reçu un, deux ici, sur ce plateau. Puis on peut se faire périmer, même dans trois mois. Si c'était une école, moi je viens de l'école de l'UDPS. L'UDPS créée en 82, j'ai adhéré à l'UDPS en 83, dans la clandestinité. J'ai fait quatre fois la prison sous Mobutu. Maintenant, moi je devais disparaître avec les apprentis politiciens d'hier ici. Capitaine, des lieutenants. Oui, capitaine, des lieutenants. Comment je vais disparaître? C'est que ce n'est pas Bitakwir. Non, le PPRD n'a jamais été une école en conclusion. Non, le PPRD, si elle a été une école. N'a jamais été une école. Si elle était une école, oui. Elle aurait formé une armée politique. Et tous ne disparaîtraient pas comme ça. Même sur la route, vous les rencontrez rarement. Vous les avez déjà entendus à Bosolo, à Télé 50, à Top Congo. En tout cas, la plupart, moi, je ne les vois plus. Hein. Ils étaient venus goûter la politique. Selon vous, le PPRD fut un conglomérat? Ce n'est pas un conglomérat parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Il ne faut pas croire que j'ai déjà eu ce que j'ai cherché. Mais j'ai dit qu'ils doivent se réchauffer. Ils doivent se réchauffer, faire un peu d'entraînement. Ils ne peuvent pas aller se cacher définitivement pour des beaux comme ça. Ou soit vous pensez que c'est un groupe des apprentis? En tout cas, on a l'impression. Parce qu'on ne peut pas disparaître dans 6 mois. Vous qui avez été 18 ans au pouvoir, vous disparaissez dans 3-6 mois. On ne vous voit plus. Restons par rapport aux discussions. Ouais. Il faut qu'il y ait un consensus, ne serait-ce qu'un minimum de consensus. Pour parler de quoi? Pour ajuster les tirs et entendre les réclamations des uns et des autres. Oui. Je te dis qu'on ne peut pas résoudre un problème quand on l'entend d'une seule oreille. Ça n'entre même pas. Ça passe comme un vent.
Alors, on va s'asseoir pour discuter. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un dialogue maquillé. Non, non, moi, je ne suis pas pour, je suis pas pour un dialogue, à vrai dire. Je ne suis pas pour un dialogue, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines revendications fondées du bloc de l'opposition. J'ai l'impression. Qu'on doit satisfaire aller aux élections, avant d'aller aux élections. J'ai dit, même 10% de consensus qu'on le cherche. Mmh. On ne peut pas consommer le lait avec du pain sans y mettre un peu de sucre. Ça doit passer par la CENI ou Tshisekedi doit convoquer ce consensus. De toute façon, le président Tshisekedi n'est pas membre de la CENI. Mmh. C'est la CENI qui doit donner rapport au président de la République. Et le président parce que doit si la CENI endurcit son cœur comme pharaon, il n'a pas de rapport à aller donner au président de la République. Il y a ça. Je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour ouvrir une petite fenêtre, faisons ça. Alors, maintenant, ils ont revendiqué leurs trois postes où nous avions imposé des gens. C'est connu, non? Ils ont revendiqué leurs trois postes où nous avions imposé les gens. On fait comment? Babo Pesta Bangoyango. Ça serait un consensus. Allez, l'opposition est prête pour un dialogue. Ils ont adressé une correspondance. À qui? À la CENI. Dialogue politique. Un consensus, comme vous êtes en train de dire. Non, c'est un ajustement technique, tout court. Ça n'a rien à voir avec les dialogues de la Cité de l'Union africaine ou de la CENCO. Non, non. C'est un ajustement technique. Alors, vous croyez aux élections pour le mois de... Vous m'avez appelé sage de la République. Il faut tenir compte de ce que je vous dis. Il ne faut pas me le faire répéter 4 fois. Il n'y a pas de souci. Alors, vous comptez ou vous croyez aux élections de décembre 2023? Oui, je dépose ma candidature à partir de jeudi prochain à Ouvira. À Ouvira, vous allez déposer à Ouvira. Oui, oui. Si tu es disponible, tu peux m'accompagner. Il n'y a pas de souci. On verra. Si on sera disponible, nous serons là avec mon équipe de Bossolo. On verra s'il y a disponibilité. Alors, M. Bitakwira, est-ce qu'on peut aujourd'hui être fier d'aller aux élections le 20 décembre 2023 au moment où une partie du pays n'a pas pu s'enrôler? L'État congolais ne contrôle pas. Ça fait plusieurs mois. Et avoir un président de la République après ces élections, se réjouissant à avoir la légitimité du peuple congolais. Faudra aujourd'hui d'abord conditionner la tenue des élections avec la résolution de la question de l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, ou on peut aller aux élections, même si on n'a pas résolu la question d'insécurité, et continuer à travailler pour résoudre dans le temps, mais en même temps respecter le calendrier électoral ou le cycle électoral, si vous voulez. C'est pourquoi, autour de toutes ces discussions politiques, même le bloc de l'opposition n'est pas conscient qu'il y a une partie du pays qui est occupée. Ils ne sont pas conscients. Moi d'abord, je suis de l'Est, là où on tue matin, midi et soir. Faut pas m'embarrasser. Mais comme acteur politique, le jour où le président Tshisekedi entre dans une phase où il n'y a plus de légitimité, ça sera le président le plus faible. C'est pour ça qu'il a intérêt, même pour libérer l'Est, il a intérêt d'être toujours légitime. Il a intérêt d'être toujours légitime. Parce que s'il n'est plus légitime, il y a des actes qu'il va poser, les gens vont commencer à dire « est-ce que tu as encore qualité ?» C'est comme ça qu'il a intérêt de garder la légitimité. Et les gens doivent être compréhensifs que pour faire face au Rwanda, on n'a pas besoin d'un président qui n'a plus de légitimité. Parce qu'on va parler de cette guerre. Ouais. Je fais partie de celui qui se bat pour que tout le monde ait la même compréhension sur l'agression du Rwanda au Congo. Tout le bangona lingala. Namoni ba tout le bangona lingala. Ba congolais belé bazola ndanga et belé bazo réagir na Facebook on me fout voir là-bas. Photo qui nango malembe poto longo la potina misu.
Je voudrais qu'après cette émission... Mais beaucoup y a Charles, on en appelle Tokoloba. Tokoloba. Na lingi après émission congolais, nous soit vanda loba, effectivement, nous avons une vérité, on a ébagité en gros. Monsieur Bitakwira, bato moussous, ma monique, il faut qu'une élection te, na mois de décembre. Ce qui te résoudre problème, y a Bounagana te, problème, y a ba village au Nyonso, au M23, à ça qu'on dérangeait les lots. Ba zone, ou te bengi ba zone tampon, ou l'état congolais pe, armé na biso a zone yatate. L'insécurité, c'est ça qui est la carte électeur. Ce qui te résoudre en gros, ça sert à rien d'aller aux élections. Tu vas moni lelo, tu vas nous résoudre problème, il y a occupation. Tu vas la Munguna, l'état a contrôle total, il y a territoire congolais, et après tu organises ma élection. L'opposition a aligné élection, mais a posé ma préalable. Le pouvoir en place, va tenir à ce qu'il y ait seulement élection en 2023. Sage de la République. Il faut tout banana nini. Tout ça, la cac élection, n'engo lobby, qui sait que du tout en étant légitime, pourra résoudre le problème, il y a guerre, il y a Est. Ou il faut tout régler pour mettre fin à la hémorragie et sauver l'avenir de tout un peuple. D'abord, na koloba na mokonzi ya mboka. Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que je rencontre régulièrement. Président, il faut ça la manso. Bitumba Oyo, ou bien guerre Oyo. Et si la cause à la guerre amicale, il faut ça la bitumba ya solo solo. Parce que quand vous êtes en guerre avec un pays, mais vous êtes toujours amis, c'est une guerre amicale. Comment on peut transformer cette guerre en une vraie guerre? Rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et fermer les frontières. Donc pour le moment, guerre autosana, c'est une guerre amicale. Parce que nous sommes en relation diplomatique avec le Rwanda. Omoni ndenge ba somaliens, comment les terroristes somaliens là, ils ont commencé à venir tuer au Kenya. Le Kenya ferme ses frontières. Mais nous, comme c'est une guerre amicale, on n'a pas fermé nos frontières et nous n'avons pas coupé les relations diplomatiques. Malgré le nombre de morts et malgré le nombre de rébellions et d'agressions que ce pays s'est déjà autorisé. Je vous informe aussi. Que pendant que, après Kabila, et cette guerre encore que le Rwanda a occasionné chez nous, ce n'est pas le Rwanda au fait qui nous agresse. Nani a joué agressif. Le Rwanda, c'est comme. Comment dire c'est comme un chien qu'on fait monter sur un arbre. Et il commence à aboyer très haut, en haut, sur l'arbre. Il faut vous poser la question, nani a matisi mboa oyo likolo ya nzete, alors que mboa a mataka likolo ya nzete. C'est depuis Bill Clinton. Bill Clinton ne azua mboa yango, a matisi yango likolo ya nzete, nde zo beta mke 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 mke, biso peto zo talaka gana misu. Na landi top Congo lelo na tongo. Ke ba résistant. Ils ont occupé 5 villages. Bah résistants. Bah lobby armé n'a pas sauté. Le bah résistant. Wazalendo. Ils ont récupéré 5 villages. J'ai suivi avec mon ami Thierry. Kambundi? Non. Eric Kambago. A interviewé un chef de groupement. Moko Yakuna Nanuru qui a cité bah village Yango. Oyo Wazalendo va récupérer. Alors, il faut décider. Alors, Wazalendo. Pourquoi ne pas intégrer ces Wazalendo dans notre armée? Pourquoi ne pas les intégrer? Qui deviennent automatiquement FARDC? Qui nous a interdit de les intégrer? On en a fait des réservistes, oui. Réservistes au cas où l'armée est forte sur le terrain pour chasser l'ennemi. C'est là où on garde les réservistes. Mais si ceux qui peuvent récupérer 5 villages, on connaît à les appeler des résistants, des Wazalendo, au lieu d'être les FARDC, automatiquement.
Si on arrive, parce que de ces histoires des Maïmaï aussi, il y avait déjà des histoires, il y avait des voleurs dedans, il y avait des kidnappeurs dedans, je connais. Mais il y a une race pure de ces gens que le Rwanda craint. Le Rwanda ne craint que ces jeunes gens-là. Bah, mouvement autodéfense. Pourquoi il n'a jamais occupé l'Est? C'est à cause de ça. Ce qui se passe à Minimbwe là-bas, à Minimbwe, chez les Rouvero, avec les Makanika et les autres. Ce n'est pas les frères de ceux qui se défendent. C'est les résistants qui se défendent. Sinon, les Tutsis de là-bas auraient déjà exterminé tout le monde. J'ai vu un jour un général qu'on a envoyé à Minimbwe. Il devient pasteur. Commence à aller passer toutes ses journées à l'église avec les Nimbos à Wokov. Oh. Là où on tue les gens, un général, le commandant, il commence à passer ses journées et ses nuits dans l'église. J'avais posé une question à un responsable militaire. Type, on a. Maintenant, on m'a appris qu'il n'est plus là, on l'a enlevé. Alors, pour sauver ce pays, il y a des actes à poser, sans regarder ni à gauche ni à droite. Je te dis, les jours où nous rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda, nous fermons nos frontières. Sais-tu que depuis qu'il a enclenché la guerre, les enseignants rwandais ne sont plus payés. Il y a des militaires, l'armée a 6 mois d'arriéré. Maintenant, les universités rwandaises, on commence à vendre aussi les syllabus. On commence à vendre les syllabus, comme on le faisait ici. Il n'y a plus d'argent qui puisait dans nos minerais. Il n'y a plus d'argent. Mais il est asphyxié sans qu'on ferme les frontières. Alors, quel est l'impact, il y a ma décision, par exemple, ma mesure, il y a Rukanga frontière, toutes ces mesures que vous avez évoquées. Et Kota Lisaket aussi dit qui? Nous avons changé de forme et à guerre. Je te dis, impact mon gars, que ça. Et c'est Kagame qui va souffrir. Kagame lui-même sait que si on ferme les frontières, on rompt les relations du Mali avec la RDC. La RDC, c'est son souffle de vie. Et d'ailleurs, avec ce qu'il est en train de vivre maintenant, parce qu'il n'épouse plus comme avant, il vivait dans l'opulence. Maintenant, il ne gagne plus comme il gagnait avant. Parce qu'il avait beaucoup de complices dans le régime passé. Beaucoup, beaucoup. Même s'il y en a encore aujourd'hui, même au gouvernement, il y a des complices du Rwanda. Mais avant, c'était pire. C'était pire. Je l'ai encore dit ici plusieurs fois. Donc, vous pensez que ça, c'est... Et nettoyer notre armée. C'est parmi les solutions urgentes. Moi, j'ai déjà dit, s'il m'était permis, que je propose tout celui qui a déjà pris l'arme contre la République démocratique du Congo. Je tolère un peu. Qui ne fasse plus de notre armée, mais qui ne mette pas ses pieds à l'Est. Qui ne soit pas un des militaires à l'Est, un des commandants à l'Est. Tout celui qui a déjà fait la rébellion. Bitakwira. Ouais. Est-ce qu'il faut tout qu'il y ait une élection en décembre, partie à Est est occupée, ou il faudra d'abord tout se concentrer pour résoudre le problème de l'occupation et que les élections interviennent après? Est-ce que tu sais que même si nous nous concentrons, Tovandi Lukula Mibari, comme les animaux malades de la peste, de la fontaine, dans 2 mois on peut libérer tout le pays. Tout le pays. Dans 2 mois. Dans 2 mois. J'ai une grande autorité militaire qui m'a écrit que vous serez invité à l'état-major général pour contribuer. J'attends l'invitation. Je peux vomir des choses là-bas. Je peux vomir des choses. Parce qu'à un certain niveau, c'est nous qui avons entretenu cette guerre. Alors, vous avez fait une déclaration récemment, je pense que j'avais relayé ça dans un tweet. Vous avez dit, malgré la bonne foi de la République démocratique du Congo, il y a participé à Nairobi pour la résolution. Où est-ce que la République démocratique du Congo soit la paix? Tant qu'il y aura certains pays où ils ont participé, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, ceux qui sont partis prenants dans la carte de négociation, malgré la bonne foi de la République démocratique du Congo, le problème ne sera pas résolu. Il ne sera pas résolu. Qu'est-ce que vous reprochez? Nous y perdons et l'argent, et le temps, et l'énergie. Comment? Cette guerre. Cette guerre de l'agression de la République démocratique du Congo
c'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Entre les Nilotiques et les Bantous. Je vais te donner un exemple. Allez-y. Je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Je l'ai dit dernièrement dans une conférence sur le livre de Charles Onana. J'entends et j'écoute presque tous les dialectes du Kivu. J'entends et j'écoute tous les dialectes du Kivu. Je parle Kirundi, moi. Je parle Kinyarwanda, moi. Je parle un peu de Kiganda, mais j'écoute tous les Kiganda. Je parle le Swahili du Kenya. Je parle le Swahili de la Tanzanie. Quand un Kenyan parle, je sais que c'est un Kenyan. Quand celui-ci parle, c'est un Tanzanien. Tout comme le Swahili du Kivu et même celui du Katanga. Le Burundi, en 1972, sous le président Micombero, il a exterminé plus de 200 000 Hutus. Et on allait prendre chacun chez lui à la maison. Tu montes dans le... C'est à quoi on jette les caillasses, c'est quoi là? Comment on appelle ça? Quand on met les caillasses et puis on va verser au chantier. Ben, on allait prendre les Hutus en 1972 au Burundi. On vous prend chez vous, devant votre femme, devant vos enfants. Vous montez dans la benne. On vous rassemble à 80, 120. On va creuser, vous êtes en train de voir comment on creuse. Et puis... Baba Louli Ben, binonso nasé, arrête. On met le sable au-dessus. Vous êtes parti. À ce moment-là, les Tutsis du Burundi pensaient qu'ils peuvent exterminer tous les Hutus du Burundi. Alors qu'ils n'étaient que à 11 à 12% de la population. Les autres sont à peu près à 90%. C'est avec Kurunzinza, hier, que les Burundis se sont libérés contre ces Nilotiques. Mais l'intention, c'était de les exécuter. Tu connais dans quelles conditions? Melchior Ndadaye est mort. Élu. Tu connais dans quelles conditions il est mort? Donc, face à nos frères Tutsi, la cruauté vient du diable. Vous ne pouvez pas aller vous abriter chez eux. Ici, nous n'avons que 4 pays minimum, ou maximum, ou même 3. L'Angola, le Burundi maintenant, comme il y a un Hutu à la tête, et la Tanzanie, et la Zambie aussi, et Bantou. Le reste, Rwanda, allez, Ouganda, Tika, Kenya, ya. Vous ne regardez pas même le visage de Ruto lui-même. Vous regardez le visage. Nous connaissons toutes les tribus du Kenya. Les Kalanji, ils sont nombreux. Et on connaît qui sont Nilotiques et qui sont Bantou. C'est un empire qu'on a créé. Empire Hima. Power. Tutsi Power. Et vous allez vous jeter dans leurs bras. Au Kimilimbula, na océan. Au Kimilimbula, na océan. Donc ça sert à rien que RDC se mette autour d'une table. Mais l'armée qu'on a déployée chez nous est assez. Et y'a qu'on sali sa bison, et y'a qu'on met la bison. Ça fait combien de gens disons? Mais si c'était le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, c'est pas le Botswana, si c'était Tchad. Même... Tchad, non. Simple. Parce que l'Afrique de l'Ouest aussi a ses nilotiques. Macky Sall, c'est un nilotique. Sankara était nilotique. Blaise Compaoré, nilotique. Idriss Déby, nilotique. Ils ont aussi leur manière de vivre là. Alors, maintenant, nous ne sommes pas conscients qu'avec Bill Clinton voulait transformer la sous-région des Grands Lacs comme au Moyen-Orient, de la même manière que les Israéliens traitent les Palestiniens. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici au Congo. Et entre-temps, nous aussi, nous recourons encore, quand même, pour venir à notre secours. Je vous ai donné les reproches. Demandons aux criminels de mettre la pêche. Je vous ai donné un exemple la fois passée sur les fautes du président Kabila. Je vous en avais parlé. C'était une tactique de promouvoir l'ennemi et lui confier toute l'armée.
quand dans ta maison, tu sais, chez nous les Bantous, ceux qui ont vécu en ville, ils ne le savent pas. Chez nous les Bantous, chaque homme est dans sa case, il a une lance. Tu ne peux pas dormir sans lance. Quand un animal vient vous agresser, papa, maintenant, un ennemi t'arrache l'armée d'un pays. Celui qui devient le vrai commandant. Tous les postes stratégiques, c'est lui. Vous avez donné à l'ennemi pendant la journée, pas pendant la nuit. Êtes-vous congolais? On a dit que Kabila avait livré l'armée congolaise. Je t'ai dit que tous les généraux Mai Mai qui font face au Rwanda, hein, il les a amenés tous ici en exil. Et ils sont toujours ici. Les Padiri, les Nakabaka, les Safari, ils sont nombreux. Kabila pouvait le faire pour quel intérêt? Et il a envoyé les Tutsis là-bas, les Tutsis là-bas. Ah, il a pris les Tutsis là. 24 généraux, si je ne me trompe pas de chiffres. Il les a remplacés. Non, il les a nommés, il ne les plaçait qu'aux fonctions à l'est du pays. Et les Maïmaï ont été envoyés en exil. J'ai l'impression, ils ont été rappelés ici, sans fonction. Et ils sont toujours là, sans fonction. Toi, tu vas te battre contre le Rwandais sans l'armée de Maïmaï. Tu vas plutôt t'occuper de ceux de Chegue. C'est que Rwanda cocotte même dans 2 heures. Vous voulez dire que Kabila a favorisé l'infiltration, Kabila a rendu l'armée faible, Kabila a donné plus de la force aux Rwandais d'avoir suffisamment de postes dans notre armée. Ou bien à leurs complices. Ben, la fois passée, je l'ai dit dans l'émission. Comment toi aussi tu oublies si vite? Si, je n'oublie pas. Tu as une mémoire. Une mémoire rebelle. Ce n'est pas le cas, je vous pose de questions. Je t'avais dit la fois passée que. En Israël, il y a aussi des Arabes. Ok? Ils sont au Parlement. En Israël. Les Knesset. Mais l'Israël ne peut pas prendre ses officiers arabes, les nommer à la frontière avec la Palestine. Impossible! Impossible! Aux régions militaires, aux zones de défense, aux arabes. Aux baoutines à Israël. Loukoutanayo. Comment résoudre les erreurs de Kabila aujourd'hui? Je crois qu'il faut les états généraux de l'armée. Il faut les états généraux de l'armée. Qui va consister en quoi? Nous devons faire l'autopsie. Tout celui qui aurait pris l'arme contre la République, contre le pays, non seulement il ne doit plus être à l'est du pays, mais il faut lui donner le délai pour qu'il quitte notre armée. Et il faut une fiche civique pour chaque militaire. Comment vous allez avoir des officiers anti-patrie? Ils ont déjà tué. Ils se sont enrichis dans la rébellion. Et vous les prenez comme des héros. Comment ça se promener dans les meilleurs jeeps dans la capitale? En train d'expliquer quelque chose si ma grand-mère apprend ça. Vous étiez en train d'expliquer quelque chose de très très capital, je pense. Sur la sous-région des grands. Ouais. Oui, j'étais entré. C'est pourquoi je te cite. Allez-y. Je te cite quelques présidents peuls à l'ouest du pays. Donc, je t'ai dit que. Bill Clinton a fait. Il a monté un chien sur un arbre. Et quand tu lis le livre de Charles Onana, mon frère, sur le démantèlement de la République démocratique du Congo à partir de 1994. On a là, je le cherche, je ne sais pas où le voir. Et voir le déploiement de l'armée et des officiers militaires et des renseignements américains qu'on a déployés en TB, qui venaient maintenant renforcer l'armée de Kagame, et les millions et les millions qu'on lui a donnés. C'est comme ça que Bill Clinton a grondé Jacques Chirac sur son opération turquoise. On a étouffé cette opération turquoise pour favoriser à Kagame de démanteler la République de Mali du Congo et s'occuper de toutes ses richesses. Organiser les pillages. Démanteler. Donc, pour Bill Clinton, la mission de Kagame est que ce pays devienne un non-État. Un non-État. Et ils ont utilisé des complices. Vous allez lire dans le même livre. Parce que les gens me disent, l'Union Européenne me dit, oh moi, c'est toi qui sème la haine. Non, c'est pas la haine. Je détiens la vérité, tu sais que ça passe chez moi. Il écrit encore, Banyamulenge, double point.
destruction préméditée de la République démocratique du Congo. Tu sais ce que ces gens ont fait dans ce pays? Quand la guerre de Frédéric Guéman, qui était le patron du front populaire, du front patriotique rwandais, le 1er octobre 1990, c'est là où la guerre de Tutsi s'est enclenchée de l'Ouganda pour le Rwanda. Ceux qui se disent Banyamulenge chez moi, tous les jeunes Tutsi de chez moi, venant de Minembo et Bijombo, c'est pas Rurambo, c'est pas Kitembe, je connais tous les villages de chez moi, tous ont été recrutés pour aller en Ouganda. Charles, on en a décrit. Et moi, nous les avons vus partir. Et ils jetaient tous les cartes pour citoyens, déchirés, cartes pour citoyens. Tous les gens n'y pas. Et ils sont partis en Ouganda, volés au secours de leurs frères, les Kagame. Ils sont partis en Ouganda. Alors, on a gelé la guerre jusqu'à ce qu'ils aillent aux négociations avec le gouvernement Habyarimana. Et ils ont abattu son avion. Ils ont abattu son avion. Maintenant, les Tutsis venus du Congo, c'est Banyamulenge ici, que je connais très bien, j'ai des amis dedans, certains ont étudié dans nos familles. Ceux qui ont déchiré les cartes pour citoyens du Zaïre, ils atterrissent à Kigali. Ils font la demande. Bon, mais nous sommes venus vous aider à partir de l'Ouganda, oui, mais notre demande, c'est de nous aider à diriger la RDC. C'est nous qui devons diriger la RDC. C'est la demande que nous formulons. Parce que c'est nous qui devons diriger maintenant le Zaïre. C'est comme ça qu'en octobre, toujours octobre, en octobre 96, enclenche la guerre de révolte de Banyamulenge. La révolte de Banyamulenge. Qui a pour opération? Quoi? Parce que c'est parti de chez moi, les maires. On a tué des pasteurs et on les a enterrés vivants. On a tué les malades dans les hôpitaux. Mukwege était médecin directeur là-bas. Il a échappé belle. C'était pour exterminer, comme les Burundis opéraient au temps de Mutumber. Pour eux, ils devaient exterminer tout le monde. Les Bafuliru, les Babembe, les Banyindu. Peut-être ils allaient tolérer un peu les vaches. Il faut exterminer. La terre doit nous revenir. Et nous irons à Kinshasa. Quand ils ont compris qu'il y avait une certaine résistance, c'est comme ça qu'ils sont allés recourir à Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mais je l'ai dit encore la fois passée. Mouzé Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'ici. Bon, il a joué un peu au malin. Parce que normalement, qui était secrétaire général de l'AFDEL, là. Bouguera. Hein? Bouguera. C'est Bouguera ou Bouguera. Quelque chose de pareil. C'est eux qui étaient préparés pour être président de la République. Ici. Comment un peuple peut faire la guerre quatre fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFDEL, c'est eux. RCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutient dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous entendez parler de Runiga, Bertrand Bisimwa, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là, on ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et indique que ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Il y a un petit trou où nous passons toujours. Tu nous montres les trous. Il y a une sorte de complicité. Visible. Mais l'État n'en fait pas quand. N'en fait pas cas. C'est ça le problème. L'État n'en fait pas cas. Nous sommes inattentifs. C'est pas naïf. Est-ce qu'on peut dire que le mal est profond? Très profond. Est-ce qu'il y a lieu de résoudre? Si on nous écoute avec les deux oreilles, pas avec une oreille. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Messieurs et dames, oh là là, oh là là, oh là là, notre cher beau pays. Il faut que les créateurs interviennent, sinon c'est très difficile. Lorsque j'entends ça, vous voyez qu'il place ton outil,
place Tokomi Lelo. Non, le mal est profond. Le mal est profond. Il faut une bonne dose de diagnostic approprié. Autopsie de la nation en danger. Oh là là, pour un traitement approprié. Autopsie de la nation en danger. Allez, on va prendre une petite pause, on va revenir pour essayer d'évoluer. Vous êtes en direct, vous suivez cette émission, nous sommes sur Facebook, YouTube. Bozola Nabisso, partout, Pisika, Bozola Mina, Congo Central, Bozola Mbandaka, Bozola Nabisso, na Bounia, Topesi Bino Mbote, Bozola Boga, na Komanda, na Iga Barrière, na Djougou, Mbote, na Bino Batoua Boutembo, Kisangani, je vous salue. Bandeko Bozola Nabisso, na Ouvira, Mbote, na Bino, j'espère que nous allons passer des moments excellent. Allez, moi na bango apesi bango mbote. Yone mona na bango. Yone mona na bango. Moi na bango. Voilà, et ouvira. Très bien. Moi na ouvira yeyo. Chaque oiseau a son nid. Hein? Chaque oiseau a son nid. Ouais. Ça c'est votre adresse, c'est votre niche écologique. Oui, oui, oui. Chaque oiseau a son nid. Très bien. Et n'oublie pas d'aller dormir quand la nuit tombe. C'est tout à fait normal parce que c'est les soirs qui déterminent les origines si on est fils. Et aucun oiseau ne se trompe de son nid. L'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ouais, ouais. Allez, on va prendre une petite pause. Procès des kidnappeurs, les TGI Gombe prononcent la sentence ce jeudi. Allez, on va prendre une image. On se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. De 23h que le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe a clôturé le mercredi 5 juillet dernier devant les bâtiments du ministère de l'Intérieur sa série d'audiences foraines dans les cadres du procès en flagrance de présumés kidnappeurs et voleurs à main armée arrêtés récemment dans la capitale congolaise Kinshasa. Après avoir dirigé les débats et écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions du parti civil et les plaidoiries des avocats de la défense... Il est établi clairement, Monsieur le Président, qu'ils se connaissent par rapport à leurs crimes. Ils ne se connaissent pas comme des garçons du quartier qui grandissent et qui développent des relations. Chacun vous dit, moi j'ai été recruté. Moi je suis venu à cause de l'autre. Comment comprendre que de cette association, certains deviennent innocents, certains disent n'avoir rien fait, et cette hypothèse de fait est relayée par les autres. Et donc, Monsieur le Premier Président, la République voudrait qu'une réparation civile, une réparation qui soit à la dimension de leur crime. Les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe ont pris l'affaire en délibéré et promettent de se prononcer ce jeudi 6 juillet 2023. Dans ses réquisitoires, l'officier du ministère public a en gros demandé la peine de mort contre la majorité des prévenus. Il leur a alloué des dommages et intérêts conformément aux requêtes des parties civiles. Soulignant que ces filles, une série d'audiences avec tous les attributs d'un grand événement, en témoigne la façon dont beaucoup des Congolais y ont participé. Scandalisés par la gravité de faits, ils poussaient de temps à temps des cris réclamant la plus haute expression pénale contre ces prévenus criminels. La première audience a été celle d'une bande de Koulouna qui est entrée par infraction dans une maison dans la commune d'Enjili la nuit du 23 au 24 juin dernier. Le prévenu a nié le fait malgré les évidences soulevées par les familles victimes. La deuxième audience a porté sur le présumé kidnappeur. Contrairement au premier groupe, certains d'entre eux sont passés aux aveux. D'autres par contre, notamment les filles, ont affirmé avoir approché le membre de cette bande, notamment pour des fins matérielles. Ndenge lobenga nga chef de bande, ngai naza chef de bande te. Moto oyo a recruté biso nyonso ezayé. Eza monsieur Fashion. Yende a recruté biso pona ba enlèvement. Mana banego sa enlèvement te na banego yiba na bandaku ya bato. Yango herbe toni ngai. Na bisi bino ke fi oyo aza innocente. Pe aza innocent ya solo. Mate mutu natanga ekombo na ye sans ke babetanga. Biso tozalaki kotambola to zalaki miyibi me na bandaku ya bato. Mutu ayela biso ide wana eza ye. Malasuka abusaka operasyon ya niati eza ka. Malasuka tosalaki donc ezaka na mwa de juin oyo. Yo juan ki rolin. Ah, je vois qu'il roule dans un kit à Liboso, dans un kit à volant. Et puis, de deux mois, à moi, à Mati, et à Mati, fit au 20 mètres qui n'aille, qui a moi l'équipe Liboso, à la commune à Sima.
nde tokangi siwana catch to bimisi biloko nyoso zaaki na ngona mbongo apesi biso na code mpesa na eto bimisi mbongo okoraki wapi totika ki na na poalwa. Et vous avez participé à combien d'opérations? Aucun. Aucune opération. Aucune. Et comment vous arrêtez? Je sais pas. Vous avez été arrêté où? Dans quelles circonstances? À la maison. À la maison? Chez vous? J'étais chez une amie à Bandal et vers 5h du matin, on est directement venu m'arrêter. Au salon de la course Mbalaboni. Le jour où on a la primaire qui est au salon, le jour de faire accident dans la boulevard. En tout cas, pendant on a fait le Jura depuis 2019. La société peut sauter, type na yo yo kaké bakangi à côté prison, à ébé au bim. Pendant que t'es ni non que nous vendons pas d'ailleurs. Na na zaki a mis na moi sinaï. Donc comment ça la cop moro sokola sokola. Na oko c'est la été. Na lo ba vérité puisque comme ita oya le bito lo ba vérité. Donc son muta okufa, akufa ma ben na yo. Et ko ça la que non, a bimisi a bengi moi sinaï. Ba pesi biso $50. To biminga ina Anthony. Wana ya tikali to bimina ye to ke na fulu to ke ko somba ba equipement oyo to ke o chapo e kuzonga na commande ya central ngande na bando commande soki na bloke na bloke soki na deverrier na deverrier to ke pe to sali nda lobino e faut sa susu fime to ke to renforcer fime wana to zaki na Anthony normalement ndenge zala wana mutari kitaba to azala rate. Nenge zawana chef eza muta oyana mutuka yenda waza chef. Na koko sate na koni yete na solo opération des fois. La troisième équipe, constituée entre autres du très redoutable Isaac Lembu Touleki alias Kabakaba, va comparaître ce jeudi, bien avant le prononcé de la sentence. Il convient de souligner que ces présumés malfrats ont été arrêtés par la police et présentés à l'opinion lundi dernier. Ils sont accusés d'avoir excellé à Kinshasa dans les enlèvements des Quinois, les kidnappings, le vol, extorsion et des autres formes. Allez, nous sommes en direct. Aïe, 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 Kinshasa. Kinshasa, ngoy, ngoy. Alors, avant qu'on revienne avec le dossier de Kinshasa, terminons avec l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Bitakwira, quelqu'un a marqué une infiltration, Mwangachu a été arrêté. Un honorable député. Président d'un groupe parlementaire. D'un groupe parlementaire. Oyo qui procède d'un bandit qui n'a pas l'oyo. Oyo qui déjà, il y a aux assages, aux mieux informés, aux maîtrisés la situation. Oyo qui déjà, que Mwangachu a été déjà dans ma bien avant. Oboyaka ko lobato lobaka me baboyaka koyoka. Comment vous analysez ko samba ya biyana ni ya mwangacho chuti le place tozali et les mobiles de son arrestation? Oyebi, ce que moi et mon peuple ont subi des toutis. Je dis bien des toutis. Comme réfugiés, les HCR les a déversés chez nous. Il y avait 3 sites pour ces réfugiés-là. Le document existe et Charles on en parle. Et il cite même le nombre de réfugiés-là. Il cite même mon chef coutumier qui les a reçus dans son livre. Quand ils sont venus entre 1959 jusqu'à 1963, on les a placés dans 3 sites chez moi, à Ouvira, dans la collectivité chefferie de Bafouliro, qui est la mienne. On les a placés à Lemera, il y avait un site. On les a mis à Moulengue, il y avait un site. Et on les a mis à Katobo, il y avait un site. Tous ces villages existent aujourd'hui. Non seulement ces gens sont allés prendre tout ce dont ils avaient besoin chez Kagame ou chez leurs frères, venus de l'Ouganda. Ils ont tué ceux qu'ils ont tués. Ils ont tué les gens qu'ils connaissaient. Mais ils ont commencé même à changer les noms de nos villages, de nos montagnes et de nos rivières. Si votre village s'appelle Kitoga, ça n'est plus Kitoga, ça devient Gitoga.
Si votre rivière ou votre montagne s'appelle Katobo, ce n'est plus Katobo, ça devient Gatobo. Vous voyez jusqu'à quel niveau ces gens sont cyniques. Alors maintenant, comme Kinshasa est loin des réalités de l'agression, c'est notre malheur. C'est comme ça que des fois les gens de l'Est se sentent comme non-assistance à personne en danger. Parce que le reste des Congolais ne s'intéresse pas. Qui tue à l'Est? Il est venu d'où? Il s'appelle qui? Quand j'étais ministre, au Conseil des ministres, j'ai levé le doigt. Et j'ai parlé devant le président de la République, Kabila. Excellence, monsieur le président de la République. Nous voyons des criminels qu'on a attrapés à l'Est, en train de tuer, en train de voler. On les amène à Kinshasa. Souvent des rebelles. Hein? On les amène à Kinshasa. Kinshasa les envoie à Kitona. Et on n'appelle plus Kitona, c'est Gitona. Ils envoient à Kitona. Celui qui était major à Kitona, il devient colonel. Celui qui était colonel, il devient général. Et on le déploie au même endroit où on l'avait arrêté. Dernièrement, chez moi, il y a un général qui est rappelé ici. Un certain Ramazani, je le cite. Un grand officier du RCD. Il vient de passer 4 ans à Uvira. Complice avec les Makanika, qui tue les gens dans les hauts plateaux vers Minembre. Il a même fait tuer certains officiers. Parce que quand quelqu'un a été RCD, CNDP, M23, il a un virus de Kagame dans son sang. Et l'AFDEL? L'AFDEL, on tolère un peu comme ils ont fait partir Mobutu et Mouzé s'était réfracté. C'est comme ça qu'on tolère un peu. Mais à la révolte de Banyamulenge, ces gens ont... RCD, FDLR, M23. Ces gens ont les Tutsis ont exterminé des gens à vie physique comme on n'a jamais entendu dans l'histoire. Ça, je vous l'ai dit. Et ils le savent. Et chaque fois qu'on nous invite dans des rencontres, ils veulent qu'on nous efface la mémoire, que nous rappelions plus de rien. Mais moi, je leur dis toujours, tant que vous n'aurez pas demandé pardon, tant que vous n'aurez pas demandé pardon pour les femmes enterrées vivantes, à Kasika, à Mwenga, à Katogot, à Makobola, vous voulez nous faire oublier que vous n'avez rien fait. Ces gens prenaient les clés de tout l'hôtel, ils prennent les clés de ton hôtel, ils amènent à Kigali, ils vont rester là-bas pendant un mois. Ils ont écrit sur ton hôtel, il a fâchoué, en Kinyarwanda, c'est-à-dire, c'est saisi. Et là, tu vas me parler de Mwenga Chuchu. Si je peux faire confiance à un d'eux, je peux faire confiance à un d'eux. Personne. Je donc, Mangachou, c'est des leurs. Oui, l'un de leurs. C'est un Tutsi du Nord Kivu. Il a été mon collègue à l'Assemblée nationale. Et je ne peux même pas douter de ce qu'on lui colle à la peau. Ah, vous ne doutez pas? Non, je ne doute pas. Ils sont tous pareils. Chez moi, on dit que quand un pygmée a chié dans l'eau, on dit tous les pygmées chient dans l'eau. Tous les pygmées. Quand un pygmée passe là, c'est eux qui chient dans l'eau. Quand tu vois un tout petit paillé, un criminel. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, ça arrive. Un criminel. Il faut se méfier des tout petits. Un criminel, mais... Il faut se méfier. Quand il est en position de faiblesse, il peut dormir pendant 6 mois sous ton lit. Quand il va en position de force, il va te dire qu'il ne t'a jamais vu. Pourtant, il a dormi 6 mois sous ton lit. Ah bon? Je me pose toute la question, est-ce que leur créateur, ce n'est pas celui qui a créé le diable? Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, ça arrive. Je n'ai jamais vu une race aussi méchante que ça. Regarde ce que fait Kagame chez nous. Est-ce que vous avez de preuves? Même si tu es cynique. J'ai vu une image où on est en train d'égorger la peau de quelqu'un. Je n'ai pas pu le garder, j'ai crié. Les propos tenus n'engagent que son notaire. Hein? Donc, on t'égorge la peau comme nous égorgeons la vache. On t'enlève la peau. Est-ce que vous avez de preuves? Avec des couteaux bien tranchants. Un être humain. Un être humain. Mwenga Chuchu est un danger pour la République. Bon, ceux qui l'ont entre leurs mains, ils le savent. Hein? Moi, j'ai ses voisins, j'ai des gens qui vivent avec lui. Et c'était après Dieu. Là-bas, c'était lui. Hein? Mwenga Chuchu. Et il sait bien que ce n'est pas sa terre. Sa terre, c'est le Rwanda.
Ah, c'est un sujet rwandais. Mais comment? Quand on commence à te dire que non, moi je parle de Kinyamlingue. Oh, est-ce que le Kinyamlingue existe? Il n'y a que Dieu qui donne la langue. C'est Dieu qui donne la langue. Robert parle la même langue que Kagame. Nyarugabo parle la même langue que Kagame. Tous parlent la même langue que Kagame. C'est comme si tu viens de Londres. Tu viens de Londres. Tu arrives au Kenya, à Nairobi. Tu parles l'anglais. Tu commences à dire aux autres, non, moi ça, ça c'est pas l'anglais, ça c'est le Kenya Nairobi. Regarde-moi. Je crois qu'aucun d'eux n'ira au ciel. Parce que même les pasteurs ont déjà tué. Et tout le monde les suit. Hein. Pasteur. Quelqu'un qui a fait la rébellion contre ton pays, il devient pasteur comment? Automatique. Et vous ne comptez pas le nombre de morts. Entre ses mains, vous ne comptez pas. La naïveté bantou. C'est comme ça que j'ai parlé de Mao Tse-tung la fois passée dans une conférence. Les Japonais aussi ont colonisé, je l'ai dit, c'était parodie. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. Mais ils ont eu la chance de voir Mao Tse-tung naître. Mao Tse-tung naître. C'est lui qui est venu changer. Et si on parle de la Chine aujourd'hui, le père fondateur de la Chine, c'est Mao Tse-tung. Parce que sous la colonisation japonaise, on trouvait sur 6 km carrés plus de 200 églises. J'ai même donné l'exemple chez moi. J'ai 6 églises qui entourent ma résidence. Et chacun monte la musique comme il entend. Mais entre-temps, ils sont sur des murs mitoyens. Celui-ci joue Laurent Bongo. L'autre joue la fille qui est décédée. Là. Marie Misamo. Au même moment. Maintenant, vous ne savez plus est-ce que c'est Marie Misamo qui chante ou c'est Laurent Bongo. Allez, on va terminer. Justin Bitakwira. Organiser les états-majors généraux. De l'armée pour une autopsie. Autopsie. Qui a fait quoi? Et que chaque militaire de la RDC ait une fiche civique. Tu n'as pas de fiche civique et on ne peut pas donner une fiche civique à quelqu'un qui a été dans une des rébellions pour démanteler la RDC. En urgence, fermeture des frontières. Des frontières. Avec le Rwanda. Forum pour la rupture des relations avec le Rwanda. Voilà. Voilà. Allez, on va l'expliquer. Allez, on va terminer. Bozaï Bele Biska Bozoami Bozola Nabiso, tous allés en direct. Sango Mokondi, chef de poste officier de permanence. Oyo Fokoyoka. Sokoyoki Makambo Ozo Fungwama. Sokoyoki Té, ça c'est un problème. Alors nous sommes en direct. On va peut-être terminer avec M. Justin Bitakwira, mais avant cela, on va parler de l'opposition. Des arrestations arbitraires. Ok, ouais. On va parler de ça. Mais on va d'abord prendre un élément, petite pause, on va revenir parce que je voudrais savoir ici, êtes-vous fier d'appartenir dans une famille politique aujourd'hui dont le régime, selon l'opposition, les a teintés à la dérive dictatoriale, des arrestations arbitraires, je parlerai des Kalonda, des Franck Diongo, de Mike Mukebai et consorts. Des arrestations, des convocations, et on n'arrive pas à comprendre. Des perquisitions. Alors, comment vous sentez? Est-ce que vous êtes fier d'appartenir dans une famille comme ça? On va en parler tout à l'heure après cet élément, l'ouverture de la nouvelle direction provinciale de l'ARCP Nord-Kivu-Ville de Goma a été précédée par une grande cérémonie de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance présidée par le ministre national de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Cette petite pause nous permettra de revenir après pour terminer l'émission de cet après-midi. À tout à l'heure. Escorté par les motocyclistes qui se sont mobilisés spontanément, le DG de la RSP a été accueilli en fortissimo par les gomatraciens venus en masse sur ce magnifique rond-point BDGEL, lieu de la manifestation. Le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Brianzé, était celui qui a présidé cette grande cérémonie d'ouverture du bureau provincial de la RSP Nord Kivu, situé au centre-ville de Goma. Présente à cette rencontre, la crème des autorités militaires, politico-administratives, les opérateurs économiques et cadres de la société civile de cette partie du pays. Pour le mot de bienvenue, le maire de Goma, le général Kabeya François,
suivi de celui du représentant du gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima, empêché. Messieurs, le maire de la ville de Goma. À chaque prise de parole, il n'a pas dérogé à la règle. Une minute de silence en mémoire des Congolais, victimes de la guerre de l'Est. L'honorable Kachal Katem Miguel a par la suite été obligé par l'assistance de s'exprimer en Kiswahili afin de faire passer son message basé sur l'utilité de l'institution qu'il dirige. Dieu a forcément pour encadrer l'entrepreneuriat. Pour que les millionnaires, les chefs de l'État n'aient pas, je vais faire des milliardaires et des millionnaires congolais dans mon mandat. Est-ce que tu n'as pas compliqué à l'économie? Prenant la parole, les patrons des PME a par ailleurs démontré qu'à travers la sous-traitance, un vent de développement va sans nul doute souffler au Nord Kivu, comme le souhaite le président de la République, qui milite d'ailleurs pour pacifier l'Est de la RDC. Après plusieurs interventions, des mots, des circonstances, le ministre des PME va pouvoir couper les rubans symboliques pour justement lancer les activités de la sous-traitance, les activités de l'ARSP, ici, dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. Il faut dire que pour la plupart des Gomatraciens, disposer d'un bureau provincial ARSP est une initiative louable, étant donné que ceci était quasiment méconnu. Merci beaucoup, on va terminer. Oh là là, mon Dieu, aide-nous. Alors la question de l'opposition, comment vous réagissez? Ozovanana Lolendo, vous êtes dans une famille politique. Vous avez reproché ma dérive et la dictature. Des arrestations arbitraires, perquisitions sur perquisitions. Bitakwira, dans un pays qui se veut démocratique. Moi, je serai de ceux qui sont. De l'idée que aucun Congolais ne doit vivre comme un rat dans son pays. Parce qu'un rat dans la, maison, quand vous avez l'occasion de le tuer, même un proverbe chez moi dit que quand vous voulez pourchasser les rats dans la case, ne regardez pas celles qui sont enceintes. C'est par celles-là qu'il faut commencer. Parce qu'une peut accoucher 12. Alors, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'un Congolais doit vivre comme un rat dans son pays. Pas du tout. Mais je pense que ça doit être l'avis du président de la République aussi. Parce que l'arrestation, c'est l'exception. La liberté, c'est la règle. Et aussi, vous savez, on a toujours la même peau d'il y a 20 ans. La police de Mobutu, la police de Mouzé, la police de Kabila, c'est la même police avec les mêmes tares que la police du président Tshisekedi. L'armée, même chose. Les services d'enseignement civil, les militaires, même chose. C'est qu'il y a quand même un peu de... ça, la peau dure, pour qu'on change. Mais cependant, s'il y a des indices sérieux que la personne a commis des erreurs, il faut l'arrêter. Mais s'il n'y a pas d'indices, parce que moi, j'ai déjà été arrêté, ici à Kinshasa, sous Mouzé, par M. Raus et le général Kasongo ici. Le commissaire provincial. Le commissaire provincial. On m'arrête pourquoi? Parce que j'ai dirigé une organisation d'éducation civique. D'éducation civique. Et nous avons beaucoup apporté pour le retour de la paix après la guerre de 98. Alors maintenant, ils se rendent compte que le jour où Mouzé me reçoit au palais de la nation, devant tous les corps militaires, civils, policiers, diplomatiques. J'étais accompagné de plus de 15 000 personnes. Avec le ministre d'État Kakoudji, quand il m'a vu, je lui ai dit ce que j'étais en train de faire, je devais être nommé conseiller spécial de Mouzé. Kakoudji s'est réuni avec les siens pour poser la question « Kamwa Moutouyo, Kazwa Batou Nyoso et Bele Boyewapi » avant que Mouzé ne les nomme, Tokangaye. J'avais mon bureau sur Diakanda, sur l'Éthiopie. Je suis dans mes bureaux, mes réunions habituelles. On me dit qu'on est en train de me chercher en bas. Je pars. En bas, non.
il y a une urgence, on a besoin de toi. Parce que autant de musées, moi j'ai roulé dans une jeep militaire. C'est un musée qui m'avait donné. Quand j'arrive au Kinimazia, chez Raus et chez Kasongo, l'un titulaire et l'autre adjoint, ils me brandissent un BI, bulletin d'information. Ils me brandissent un BI. Comme quoi, moi j'aurais ordonné à mes gens de Njili, Matete, Kimbanseke, de ne plus laisser passer un seul blanc de Sabena. Si vous voyez le bus de Sabena, arrêtez-le, faites descendre tous les blancs. Et maintenant, voilà, à cause de toi, Sabena n'atterrit plus ici. Il est allé au Gabon. Suisseur aussi vient d'aller au Gabon. C'est toi l'auteur. Je n'en sais rien. Et on est allé prendre mon coordonnateur d'Enjili, de Massina et de tous arrêtés avec moi. À Kinimazia. Maintenant, comme j'avais les mouchitomènes à l'ISTA, ils sont venus avec des bidons d'essence pour venir brûler Kinimazia. Ils informent le ministre de Takakuji. Quand moi, Moutouana, Batunaye, Baitidia, Bayawa, Baningi, Batumba, Kinimazia, amenez-les dans un camp militaire. C'est comme ça qu'on va m'amener à la demi-ap. J'y ai fait 3 mois. Si c'est le même montage pour Salomon, pour Diongo, pour Moukebaï, qu'on les libère. Mais s'ils ont des indices, ça c'était du mensonge fabriqué, en ce qui me concerne. Du mensonge, ni. Mais quand même, j'avais eu celui qui était à la demi-ap. Il y a une dame qui faisait les cantines populaires avec Feu Tchalamouana, l'AFDEL, comment elle s'appelle là? Madame Agathe Moulimbi. Agathe Moulimbi. Maintenant, le colonel Moulimbi, c'est lui qui était à la demi-ap. Maintenant, quand il va aller à Bruxelles, il a eu des agressions de quelques Congolais, des amis. Alors, il est rentré là-bas très fâché contre moi. Il était prévu que Mouzé va me recevoir avant ma sortie. Moulimbi me dit non, non. Parce que j'étais monsieur, fini. Oh, prépare-toi. Et on était samedi, prépare-toi le lundi. Je vais t'amener quelque part. Si tu peux demander qu'on t'amène les habits. Parce que là-bas, à Demiap, il y a un cachot qu'on appelle Ouagas, là, Ouagadougou. Ah, les gens pissent là-bas. Mais moi, on m'avait changé, on m'a amené à l'inter. Le lundi, à 17h, il me prend, il me dit, monsieur Bitakwere, j'étais déjà suivi au discours avec le président. Tu parles beaucoup. Là où je t'amène, si tu parles, je te ramène. Si tu ne parles pas, tu peux partir. Je ne savais même pas où. Tu à la primature. C'est là où était le bureau de Kakoudji. J'arrive là-bas, il commence à donc me prendre comme même un cancre là. Mais le colonel me piétinait toujours au pied pour que je ne parle pas. Le colonel me dit, je ne dors pas avec toi, ta présence ici. Les gens m'appellent de partout. C'est comme ça que je suis sorti. C'est comme ça que je suis sorti. Si c'est les mêmes méthodes, les mêmes tactiques pour induire le président de la République en erreur, de ces mêmes corps, avec les mêmes tares, il faut que le président soit attentif. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces gens restent des Congolais. Mais s'il y a des indices sérieux. S'il y a des indices sérieux, c'est dehors de la loi. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Très bien. Ouais. Allez, peut-être pour terminer, allez, monsieur Bitakwira. La guerre entre quelques leaders de l'Église catholique, pour ne pas parler de la famille catholique, et le gouvernement congolais. Vous avez suivi le président de la République à Mbujimayi, quand vous participez à la Missa au Babengaki. Le président, tango lobby. Oui, Monseigneur Fulgence, Motebaye Péaye, Kobeta, Nandenganaye, Mbongo Péa, Bétimoa, désordre. Siko pour le moment, climat, Isa Penza, Malamouté. Ambongo, Chole, Fulgence Moutema, Oyoki Bango, Oyokagi chef de l'État, quel est votre point de vue? Bon, je vous ai déjà dit que je suis catholique et non pratiquant. Mm. J'ai été membre du gouvernement de Kabila. Je sais à quoi ça sent. Je sais à quoi ça sent. Mais le chef de l'État, en tant que premier citoyen de la République, ne doit pas suivre
les provocations. On ne va pas suivre des provocations d'où qu'elles viennent et où qu'elles viennent. Je crois qu'autour du chef de l'État, il y a des gens qu'il peut envoyer chez telle ou telle personnalité et ne pas devenir comme Mobutu. Parce que Mobutu, je me rappelle, j'étais au petit séminaire, c'était vers les années 75, j'ai vu des gens du MPR venir informer au séminaire que d'ici là, on va changer les photos de la Vierge Marie avec les photos de Mama Yemo. Parce que, en un moment des fois, le pouvoir rend fou si on ne parvient pas à se maîtriser. Alors, qu'elles soient en Bongo, soit en Chore, soit en Mouteba, ce sont des citoyens congolais qui ont comme président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle que soit leur colère et leurs ambitions, ils doivent peser le mot pour s'adresser au président de la République. Donc, tous les deux camps, nous les invitons à la sagesse. Nous les invitons à la sagesse. Et l'Église, telle qu'on la connaît, elle doit être au milieu du village. C'est comme ça que malgré le dialogue de Kodjo à la cité de l'Union africaine, auquel a pris part Monseigneur Chole aujourd'hui, hier, à Béchonnet, malgré ça, ils ont tout jonglé pour amener à Kabila, que ce soit eux qui organisent un autre dialogue. Et ce dialogue, je crois, qu'il a accouché à ce que Tshisekedi soit président de la République aujourd'hui. Donc, ils ont un passé commun. J'ai changé amicalement un jour avec le président de la République. J'ai l'habitude de le faire rire des fois. Il dit que je vous ai vu à la cathédrale dans un culte. Vous connaissez tous les rites catholiques. Mais j'apprends que votre église, c'est Philadelphie. Non, j'ai été baptisé et confirmé. Donc, c'est un chrétien catholique, le président de la République. Il faut que Mbongo, Jolé, Mouteba en tiennent compte. Je ne connais pas un seul évêque qui a été sacré évêque à qui le président Tshisekedi n'envoie pas une jupe comme Kabila le faisait. Donc, il y a ce trait d'union. Il ne faut pas dans ce pays que les gens se mettent à utiliser les rasoirs. Je l'ai toujours dit. Les rasoirs déchirent, mais l'aiguille coud. Donc, tout celui qui va venir avec son rasoir entre ses mains, celui-là, c'est un danger pour la République. Très bien. Chacun doit venir avec une aiguille. Voilà la sagesse bantoue, voilà la sagesse africaine. Par ces mots, nous allons mettre terme à cette émission. Messieurs et dames, ça a été un plaisir de recevoir M. Justin Bitakwira. Je l'appelle... Bihonahai. Bitax. Bitachou. Grand esprit. Grand esprit, le sage de la République. En tout cas, je ne suis pas loin de là. Mais je vous ai donné un sage, je vous baptise sage de la République. Est-ce qu'ils peuvent applaudir pour moi? S'ils sont d'accord avec Allez. On a fini pour cet après-midi. Les rendez-vous est pris pour demain, 11h30. Ne ratez pas le rendez-vous de la haute facture. Mais pour le reste, Bosolo Télévision, nous sommes vos yeux et vos oreilles. À très bientôt.